lancement officiel de la 4e édition des Mali Digital Awards a eu lieu ce jeudi 18 juillet 2024 à Bamako. Ces défis dont j'ai parlé nous présentent aussi des opportunités en termes de création d'emplois. Et il faut le dire, la digitalisation est aujourd'hui un vecteur de création d'emplois dans des secteurs variés tels que le développement de logiciels, la gestion des données, la cybersécurité et bien plus encore. Enfin, la digitalisation nous permet aujourd'hui d'améliorer les services publics. Et grâce aux technologies numériques, nous pouvons améliorer l'efficacité et la transparence des services publics, facilitant ainsi la vie de nos citoyens. L'objectif vise à créer une plateforme nationale dédiée au partage et au retour d'expérience entre les professionnels d'éthique, valoriser le potentiel des entrepreneurs maliens dans les domaines d'éthique et contribuer au renforcement de leurs capacités. Son Excellence le Colonel Assimi Gota, président de la transition chef de l'État, lors de sa visite historique du 22 juin 2024 à la capitale du Kénédougou, Sikasso, a réitéré son engagement ferme et total à opérationnaliser la digitalisation des moyens de paiement dans le lancement officiel est prévu demain vendredi 19 juillet 2024 à Kourouba. Au-delà de cette première phase, cette volonté de faire du digital un levier de croissance économique pour notre pays touchera dans les mois et années à venir toutes les prestations de l'administration publique. Par cet engagement à l'État et au premier rang, le président de la transition reconnaît que le numérique est un moteur essentiel du développement, capable de transformer des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et le commerce. Nous avons l'opportunité de créer un écosystème numérique dynamique, favorisant l'innovation, attirant les investissements et générant des emplois pour notre jeunesse. Selon les initiateurs, cette édition 2024 a enregistré plus de 1000 participants, une centaine de jeunes seront formés lors des ateliers et une vingtaine d'entrepreneurs auront droit à une récompense. Nous allons débattre pendant 3 jours avec des panels liés à tout ce qui est cybersécurité, infrastructure, innovation technologique. Également, il y a des exposants au CICB ici durant ces 3 jours-là qui ont des produits et des services dans le numérique et qui appellent à la population, demandent à la population de venir visiter ces différents stands-là. Et le 3e jour, on va remettre des trophées pour les start-up, les structures qui se sont démarquées dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies de l'année passée à cette année. Nous faisons en fait la politique de ce qu'on sait faire et on est des ingénieurs, on est des techniciens. Donc ce thème-là va en parfaite harmonie avec la volonté du gouvernement. Et je l'ai dit, je ne cesserai de le dire, chaque activité, chaque structure qui est soutenue par son État ne peut avoir que de la force. Et nous remercions infiniment l'État malien d'avoir soutenu les Mali Digital Awards depuis la première édition jusqu'à cette 4e édition. Chapeau aux initiateurs, vivement la prochaine édition. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.